Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Salut Andrés. Bonjour tout le monde, je suis derrière la boîte. Hein. Un nouveau locataire. Voilà, un petit immigré qui nous vient de chez Sideshow. Life size, hein, échelle 1 sur 1. On vous en avait parlé dans nos vidéos préco. Les préco du Living Room, ça fait combien de temps déjà? Ah, je sais pas, un mois ou deux. Ouais, un mois ou deux. Un peu plus d'un mois ou deux. Peut-être. Enfin bon, on avait l'époque où j'avais précommandé. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, deux, trois mois maximum. Il est arrivé assez vite. Ouais. Puisque c'est notre ami Thierry qui t'avait passé l'info. Ouais, ouais, et qui m'a envoyé les photos. Lui aussi, il a eu son petit qui est bien arrivé. Ah, donc, veut bien, on les met à côté avec... L'heureux événement s'est bien passé. Donc, on va vous présenter, bien, forcément, hein, la fameuse pièce. Donc, la boîte. Directement, je m'attarde sur la boîte parce qu'au départ, j'étais déçu. Ouais, j'étais déçu. Tout noir. Et puis, bon, ben, en fait, c'est pas tout noir. En fait, c'était un slip cover. Hein, c'est un slipcover, donc... Voilà. Et on tombe alors sur une boîte qui, pour moi, a vraiment de la gueule. J'adore vraiment la boîte, donc l'image de face. Super, enfin, toi, tu la vois pas, Andrés. Ouais, voilà. Génial. De toute façon, je crois que je vais faire une petite transition de boîte 360. Ouais. Elle vaut le coup. Sur le côté, elle est géniale. Ouais. Ici et alors là, ça nous fait penser à une certaine pièce de notre ami Thierry justement. Et alors, figure-toi que j'ai acheté cette pièce-ci justement grâce à cette scène. C'est la scène où il joue avec les petits enfants. Okay. C'est là que j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai dit, c'est vraiment adorable. J'adore. J'aimerais franchement bien me la trouver. Vous avez ici à côté les amis. Et donc franchement, la boîte super coup de cœur. Tu peux la poser là-bas. Oui. Alors, à l'intérieur de celle-ci, ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Alors, donc, une espèce de petit certificat, on va dire. Hein, c'est pas vraiment un certificat. Hein. Mais bon, ça vient quand même plastifié. Hein, ça vient dans son petit plastique. Mm. Alors, voilà, félicitations. Vous avez adopté chez vous, dans votre maison, donc, le child, hein, c'est ça hein, the child, oui. L'enfant. Et donc, voilà, on nous invite via... Un lien Facebook et Instagram et Twitter aussi. Hein. Ouais, de nous envoyer les photos avec le. On va poser avec. On devrait le faire du Ciné Club et bon ben voilà, on voit déjà 2-3 photos. Enfin, Andrés va vous montrer ça. En grand, vous l'avez à côté. Je trouve ça génial. Franchement, c'est vachement sympa. Thierry, on veut voir ta photo. Ouais, et donc nous, on va poster la nôtre, on fera ça en fin de vidéo. Ouais, on le mettra, de toute façon, on le mettra le lien sur notre groupe Facebook. Hein. Ouais, et vous la verrez de toute façon ici également sur la chaîne. Oui. Je te demanderai de te mettre avec et tout, c'est génial. Hein, on va jouer le jeu, comme on dit. Ouais, c'est vraiment une belle initiative, vachement sympa. J'ai trouvé ça vraiment super parce que c'est vrai que... Il a l'air vachement attachant et vachement mignon le petit. Maintenant, est-ce qu'il l'est vraiment? Ben, écoutez, on va vous le faire découvrir. En attendant, ben, je ne sais pas si tu as une petite vidéo promo de chez Sideshow. Je l'avais fait à l'époque, mais je préfère faire un 360 de cette boîte. Ok, bah ouais. Comme ça, elle a de la gueule. Je fais pas souvent les boîtes, c'est vrai ça aussi. C'est vrai. Écoute, c'est ton boulot et puis c'est vrai que la boîte, moi, je la trouve vraiment. Superbe. La petite transition avec Andrés et on se retrouve juste derrière avec l'heureux élu. À tout de suite. Ok. Ben le voilà, le petit. Alors, voilà. Alors, vite le prévisualiser avant de le montrer en gros plan, ou tu préfères directement l'envoyer en gros plan, enfin comme ça, à chaud, là tu viens de le voir, comme ça. Il est trop mignon. Ouais. C'est la première chose qui me veut, et de qualité. Ouais. Il y a eu beaucoup de travail. Mm-hmm. Maintenant, on vous montre en long, en large, en parle plus profondément. Ça te permettra de le voir mieux. Ouais. À tout de suite, les amis, on vous envoie ça.
Voilà. Alors, bon, ben, on va directement attaquer sur les points positifs. Andrés, tu me parlais le souci du détail. Hein, hein? Le souci du détail, c'est... Ouais. C'est il y a beaucoup de choses à dire en positif. Mm-hmm. Les yeux, les vêtements, les petits détails, les ongles, les griffes. Ils ont bien verni. Ils ont bien verni. On dirait qu'ils viennent de sortir de l'usine, quoi. Tu vois, c'est mm-hmm. La salissure, enfin, ou l'usure sur le vêtement, magnifique. Ouais. Les cheveux. Ici, hein, des armatures pour pouvoir bien. Génial. Pour pas le mettre. Okay, tu le vois ici. Ça soit un peu plus vivant, quoi. Ouais, on va dire. Donc voilà. La tête qui bouge. La tête qui bouge de gauche à droite, ouais. Pas du haut vers le bas. Donc dans les points positifs, ce pitchage. Les cheveux. Les cheveux qui sont pitchés. C'est on super. Peut appeler ça des cheveux. C'est poil, on va dire. Ouais, c'est poil. Son duvet. Son expression, ouais. Son visage. Ouais, il est trop magnifique. Ses yeux, c'est... Intelligent, je dirais. Enfin, les yeux. Ouais. On va s'attarder sur les yeux parce que à chaque fois, c'est tellement brillant que je me dis, mais il y a un poil dessus. En fait, c'est la lumière. C'est la lumière qui reflète. Lumière, ils sont tellement brillants que c'est vraiment superbe. Ouais. La pose, c'est vrai qu'on ne sait pas la bouger de gauche, de haut en bas. Mais c'est bien vu parce qu'il est tellement petit que le fait qu'il ait la tête un peu penchée vers le haut fait que de toute façon tu auras chaque fois l'impression qu'il te regarde. C'est ça. Tu le mets, on va dire, même sur une étagère, comme toi tu fais. Ouais. Toi surtout, il est très grand. Là on est assis. Il te regarde. La figure, comme on dit. Ouais. Même si je suis debout, et que tu le mets, on va dire, à la place d'une statue ici derrière. Tu te verras vachement bien imaginé. Tu te regardes en face, quoi. La taille, ben ouais, c'est du 1 sur 1, mais des fois on se dit, est-ce que c'est vraiment du 1 sur 1? Là, je pense que c'est vraiment du 1 sur 1. Hein. C'est un petit bébé, quand on voit dans le film. Hein. Ouais. Et puis ici, les photos avec certains propriétaires déjà qu'on reçoit avec la petite publicité, ben on voit que... Ouais, c'est tout à fait ça. Les vêtements, ben ouais, hein, ils sont un peu usés. C'est vachement bien fait. Le petit détail, hein, la manette. Certains diront la balle. Non, c'est pas vraiment la balle. Hein, c'est le levier c'est la boule d'un levier de commande du vaisseau. Ouais. Bien fait parce que bon, ben on pourrait la mettre à pression. Non, elle est aimantée et tu vois qu'elle est vraiment bien aimantée. Ouais, ouais. Hein. T'essayes d'ailleurs, tiens. On va essayer vite fait. Ouais. Oula, ouais. Tu fais rien, quoi. C'est sûr qu'elle ne va pas tomber, quoi. Donc voilà, je pense que pour les points positifs, on va essayer de trouver un peu des points négatifs. Qu'est-ce que Le socle, on reconnaît parfaitement. Un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial, ouais. Manifestement. Hein. Ouais. Ça me rappelle d'ailleurs le Vador qu'on avait fait à l'époque. C'est la même finition, en tout cas, sur le côté. Sur le côté. On va y revenir, hein, mais c'est un point positif, le prix. Le prix, ouais, super. Mais avant ça, des petites choses qui te plaisent moins, Andrés, parce que j'ai même pas envie de dire point négatif, parce que franchement, des petites choses qui te plaisent moins. Pas beaucoup. Enfin, moi, comme j'ai vu la série, toi aussi, t'as vu la série. La peau, elle est un peu mate. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, je sais pas. Peut-être que je vois un peu plus foncé dans la série. Peut-être maintenant. Je sais pas. Ce que je dirais comme point négatif, c'est la réputation qu'il a eue. Donc, c'est-à-dire que quand la pièce, faut savoir que cette pièce-là est sortie il y a 3 ans outre-Atlantique. Et en tout cas, moi, j'ai vu dans une vidéo de YouTube cette vidéo. Donc, il y a déjà plus de 3 ans, trois ans au moins qu'elle est sortie. Et bon, ben, il y avait de très grandes critiques concernant la pièce. Aurait semblé, alors ici c'est manifestement une réédition, hein. Ils ont sûrement corrigé parce que la pièce d'origine de l'époque, il semblerait que les joues étaient rouges, mais d'un rouge comme s'il ferait une rage de dents, quoi. Ouais, même chose pour les oreilles, c'était vraiment super rouge. Ici manifestement, mais bon, moi j'ai juste l'impression que le vert est un peu pâle, mais peut-être que c'est
Je sais pas. Non, c'est vrai que quand on regarde par là-bas, parce qu'on voit son papa ou son grand-père. Un de sa famille. Il est un peu plus. Il est plus vieux aussi. Il est plus vieux aussi. C'est ça. N'oublions pas que lui, il a été dans l'espèce d'œuf ou dans le film, donc. Ouais, non. Il a pas beaucoup pris le soleil à ce moment-là. Certains diront qu'il lui manque aussi des poils au niveau des oreilles. Non. Semblerait, mais bon, c'est vraiment pour chercher quelque chose. Ouais. Ouais. Franchement. Ça, c'est la réputation. Moi, personnellement, moi, je suis ravi de ton acquisition. Moi, ouais, bien sûr. Si je dois juste donner un petit défaut. Il parle pas. Mais ça, j'en ai un autre qui parle. Là, on l'a aussi présenté sur la chaîne. Non, c'est qu'on ne puisse pas bouger le bras. Ah, le bras. Parce que ça aurait été génial de lui faire bouger. Parce qu'ici, bon, ben voilà, il faut. Que les mains soient pleinement vides. Sa main, tu vois, ici, là, c'est quand même hyper important de le voir avec son. Ou qu'il donne comme ça. Ouais, avec son petit, avec sa petite boule, c'est quand même un solide clin d'œil à la série. Ou qu'il tienne un truc pour moi. Et là, ben, il faut presque le deviner, quoi. Tandis que si on aurait su bouger le bras, ben. Tu le lèves un tout petit peu. Ouais, on aurait pu mettre ça plus en évidence. Plus voyant. Ouais, c'est ça. Pour le reste, franchement, moi, je ne vois. On a dit que c'était un point positif. Le socle magnifique. Le socle est magnifique, aussi bien recto que verso. Ouais. En dessous, c'est quasiment une peinture à laquelle on a droit. C'est super beau. Non, franchement, très satisfait de l'acquisition. Un truc, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, moi je sais que notre ami Yoda, il a le logo Star Wars sur le socle. Sur le socle. Vous l'avez à côté. Lui, j'ai vu qu'il n'en avait pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Juste, c'est tout con, hein. Après, on aurait dû le mettre là. Ouais, alors. Mais encore. Ça aurait gâché la. Dessus ici, comme il avait fait. Le fameux collier. Le collier. Manque peut-être le collier. On trouvera sur Internet. Le collier. Mais bon, ils auraient pu le fournir, c'est vrai. Il manque le petit collier, à la rigueur. Mais bon, sinon, à part ça, tout très satisfait. Tout est très beau. Niveau qualité-prix, écoutez, quand il est sorti, il y a 3 ans, il était présenté à près de 400 $. Ouais. Vous mettez 100 € de plus pour arriver à. Et on l'a eu ici à moins de 300 €. Mm-hmm. Donc, franchement, je suis franchement ravi et voilà. Mes enfants me faisaient la remarque, étaient vraiment ravis, papa, parce qu'on connaît ta passion pour les séries. Je dis écoute, c'est l'univers Star Wars, c'est clair que. Et puis dans les séries, je suis pas non plus extrême. On vous a montré sur la chaîne ici une pièce qui venait tout droit d'une série et d'une fameuse, l'homme qui valait 3 milliards. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on montre ça non plus sur la chaîne, j'ai vraiment eu un super coup de foudre pour cette pièce-ci, pour ce personnage et pour ce qu'il représente. Et donc voilà, impatient de découvrir la fin de la saison. De la saison, mais ça, c'est pour une autre rubrique. Dire aussi, on l'avait déjà dit au moment de la précommande, qu'il existe chez Hot Toys aussi une pièce du Child. En échelle 1/1 aussi. Ouais. Et c'est tout à fait différent. C'est un autre monde. Ici, ça fait plutôt statue. De l'autre côté, c'est aussi, on est plus articulé. C'est du Hot Toys. C'est du Hot Toys. Ouais. On aime ou on n'aime pas. L'avantage avec Hot Toys, c'est que on sait lui changer les expressions du visage. Mmh. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, j'ai opté pas pour celle-ci parce que elle fait plus statue, notamment le socle qui est en résine. De l'autre côté, c'est un socle qui a été recyclé d'une autre pièce, je pense. Donc, ça fait un peu plus plastique, ça fait un peu plus toys. Mais bon, elle est très belle aussi. Elle est très belle aussi. Et c'est une très belle réussite. J'ai du Hot Toys aussi à la maison. Je viens d'ailleurs de faire une précommande encore après-midi. Je le garde pour. Quelle précommande, les amis. Elle est belle. Donc voilà quoi, simplement vous le signaler. Et donc si vous voulez adopter l'une de ces créatures dont on ne connaît pas encore la race, Non, c'est toujours pas. Donc, si vous le savez, dites-le nous. Voilà. Si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires, les amis. Avant de l'adopter, choisissez.
le destinataire, hein, ouais, ou Sideshow, ou Hot Toys. Ou Hot Toys. Mais bon. Nous, notre choix s'est porté sur Sideshow. Sideshow, et franchement, André, je pense que... Ouais, t'as bien fait. Ouais. Moi, il est magnifique, il est trop beau. Maintenant, j'allais dire, est-ce que tu vas le mettre à côté de son grand-père? Ben, je suis occupé à lui chercher un petit socle pour les mettre tous les deux en évidence. Mmh. J'ai envie de le mettre, ouais, effectivement, j'aimerais vraiment bien le mettre à côté. Parce que ça ferait trop beau, quoi, c'est ça. Ouais, bien sûr, ouais, franchement. C'est l'idée, hein. L'idée, hein. On vous met une photo peut-être à la fin de la vidéo, on va les mettre ensemble, seulement pour maintenant, quoi. Après, ouais, le socle n'est pas définitif. Voilà, c'est ça. De toute façon, quand le socle aura été choisi et définitif. On fera une photo sur le groupe Facebook, voilà. Et tu pourrais à la rigueur même mettre ça en, comment on appelle, en short. Voilà. Ouais, un petit short sur notre YouTube. Voilà. Autre chose à rajouter, Andrés? Bah, adoptez-le. Adoptez-le et on doit se tirer le portrait pour. Ça, ouais, pour le site. Pour ouais, les je liens. Trouve ça génial, quoi. Ouais. Ouais, vous avez acquéri... Merci Thierry. Ouais. Thierry, je veux te voir avec. Hein. Avec ton petit bébé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Oui. Hein. Il y en aura beaucoup qui arrivent pour la prochaine saison, mais j'en dis pas plus. Ouais, il y a quelques précommandes qui sont tombées. Et on attend toujours la tienne avec impatience, hein, le géant de fer qui se fait attendre. Oui. Qui malheureusement viendra la prochaine saison, tant mieux pour nous. Mais sans jouer avec les mots, tu sais ce qu'on dit ici à Bruxelles. Hein. Dis-moi. Plus c'est long, plus c'est bon. Oh, ouais. Donc ça va valoir la peine. Pas pour quelqu'un que je connais, mais bon, ça je garde pour moi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. tu te vois. Hein. Enfin, voilà. Likez si vous avez aimé cette petite vidéo. Likez aussi. Commentez si vous avez aimé le bébé Yoda. Hein, le petit locataire. Et bien sûr, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Mais continuez à vous abonner, c'est la meilleure façon de ne pas rater les prochaines vidéos du Ciné Club, avec notamment dans cette rubrique-ci le géant de fer d'Andrés qui venait de chez Iron Studio et qui est prévu pour septembre, après les vacances ou pendant les vacances, mais ça sera ici en septembre quand même. Ouais. Ou octobre. Ouais. D'ici là, il y aura encore des pièces à découvrir dans le living room. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, il est magnifique, hein, je l'adore. Ouais, génial. Ciao, ciao. Ciao.